Bonjour messieurs dames et bienvenue à cette quatrième partie du Let's Play de Crash Bandicoot. Écoute, on achève la deuxième île. On a passé pour deux dash, Road to Nowhere. Et maintenant, on est rendu à Sunset Vista. Let's go! Sunset Vista qui est un autre de ces tableaux qui nous donnait des cauchemars dans la version PlayStation 1. Un peu comme l'autre, vous avez reconnu le setting des vieilles ruines bâtards qui traînent dans la jungle. Là. Mais ici, on peut mourir cette fois. Je vais me faire un plaisir de mourir. Je pensais pas que je l'avais tué. Je vais juste montrer parce que j'avais remarqué que je montais pas vraiment les ces plateformes-là, comment ça marchait. Là, je viens de vous le montrer, fait que je vais sauter par-dessus comme il se doit. Voilà, on peut sauter sans les flammes, hein, comme on l'a vu à la dernière partie. C'était vraiment weird. Yeah! C'était serré. Ici, c'était serré, pas loin. Donc, dans des caisses en arrière ici, il faut tout le temps surveiller. Bon, ça c'était pas fort. Oui. Bon. Donc, on va attendre un petit peu. Ici, c'était serré, c'était serré. J'ai des parties de mon corps qui se sont serrées étrangement. Yeah. C'était... Ouais, je joue pas mal serré comme c'est là, là. En train de tuer comme un cochon, voilà. Bon, donc les trois plateformes, ça va, tu vois ce qu'il faut faire ici. J'aime la... justement ça le dit, hein, sunset, c'est coucher de soleil, mais j'aime bien la... la vue de la jungle en arrière. Vraiment, vraiment un beau vert qu'on utilise. C'est un beau, beau vert. Si, être synchro. Après, seconde et deux. My god, c'était serré, serré, serré. Ça prend un coup à coup. Ah non, ça c'était pas fort. Pas fort, pas fort, pas fort. Ça non plus. Et point d'échec! Bon, voilà! T'es arrivé, t'es plus proche qu'il me semblait. Là, c'est ici, on va pas se faire barbecuter. Les petits verres là. Hey! Attendre un brin. Hein, c'est dangereux pour la santé, tomber en bas dans un trou. Sans fin de d'étame. Ah! Je veux pas que ça... Ah ben regarde, il rentre. Je l'ai même pas remarqué. On va attendre que l'autre re-rentre. Voilà. Let's go. On suit le beat. Suit le beat. Flou le beat. Ah boy. Non. Pas bon. Pas bon, pas bon du tout. Non. J'aime pas ça me faire calciner, moi. L'odeur du barbecue de cramé, ça me... Non. Faire pas ça dans le dog. Après qu'il y a le nez qui dépasse, comme... Nien. Pas beau. Non. Ça run. On va attendre un petit peu. On va sauter. Voilà. On est sur terre ferme. Ça fait du bien. Ah. Si on t'en a, parce que, ouais, Sunset Vista, raison pour laquelle... donne des cauchemars à plein de monde dans la version Play 1, c'est que c'est un tableau vraiment, mais vraiment foutument long. Ça me semble que ça fait vraiment un bon bout qu'on marche, puis on vient juste de trouver la première face de temps. Hein. Puis je vous signale que y a une autre face à ramasser ici. Il n'est pas juste Tana et c'est pas Embryo. Je pense que j'avais déjà mentionné, mais il y a Cortex aussi qui fait son une apparition de face dans ce tableau-là. A... Qu'est-ce que c'était ça, Seigneur? Là, point de check. C'est quoi un checkpoint en français? Ah, allez, Seigneur! Vite, 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 vite! Yeah. Ok. Les belles vies, on garoche les vies, on aime ça, on aime ça. On va sauter. Fire! Ok. Oh my god! Allez, passez, vous autres. Yep!
J'ai peur que ça prenne. Et ben voilà. Ok. Ouais. Sauteur, ce time avec un set destin. On y est pas. Il saute. Et le beau coucher de soleil qu'on voit pas. Hein? Ça ne. Ah! Ok. Essaye de respirer. On essaye. Ah ouais, ici, prenez note en haut. Oui, il y a un beau bloc. Tout vient ici. Potoing. Bouddha Bouddha. Zumbaga. Qu'est-ce qu'il dit au fait? Hmm? C'est un grand mystère langagier de l'univers des Crash, des fans de Crash Bandicoot. Qu'est-ce que Aku dit? Pas juste phonétiquement, mais quel est le sens de Wumbaga? Hmm? Que quelqu'un le sait. Et surtout, qu'est-ce qu'il dit une fois qu'il s'en va? Le... À la fin, genre, ça. En tout cas, je peux quasiment. Putang-tang. Oh yeah! Oh yeah! C'est un excès de vitesse, mesdames et messieurs. Voilà. Ah ouais, mon petit. Il ressemble à un petit dinosaure de Jurassic Park 1 qui garoche du venin avec son espèce de crête du côté. Ça me fait des idées. Probablement, mais c'est pas grave. Peut-être un petit peu plus petit aussi. Crash Bandicoot meets Jurassic Park. En fait, c'est quelque chose qui va éventuellement arriver dans un... Non! Crash! Si je peux aller, mon dieu, je vais bien avancer. Aïe, aïe, aïe! Viens tantôt mon espèce de simili dinosaure en cosplay. Voilà. Oui! On n'a pas le risque de fouiller, de garrocher. On va dire fouiller, c'est plus drôle. À coup, c'est pas le fun. Hein, j'aime ça. Moi, être invincible, des fois, ça existe-tu, ça, être invincible dans le jeu-là? Ah ouais, gang de fans finis, de. Je sais pas quel fanboy, fan group qui. Qui in comme c'est là, dans les boys band, là, de vous autres, les jeunes. Ah ouais, c'est long. Ouais, c'est long. Désolé. Tu allais maner? Non, ok, c'est le temps même bien. Ok. Ah! Désolé, c'est la lumière. Faites penser à le Roi Lion. Ah, checkpoint! Ah! C'est beau la lumière. Ah oui. Tu vois, il y avait une flamme en bas qui apparaissait. Ah ouais, il y a une petite flamme en bas. C'est bizarre ça. Première fois que j'en marque. L'être humain est toujours intéressé par le feu. Une petite flamme en bas comme. Puis là, tu tombes en bas. C'est ça. T'en es un petit peu. Allez, allez. Let's go. Et un autre passage là. On y va pas tout de suite. On va attendre ici. C'est un petit peu plus safe. La phase de cortex. Oh yeah. Ah ben, tu te passes un cortex. Es-tu beau, petit passe un cortex? Oh yeah! Quel bonus est-ce que Cortex va nous donner? Je me dis que ça va être très facile. Oh, je pensais que c'était des TNT. Ah, ça c'était pas fort. Faut sauter avant de spinner dans ce temps-là, Pat. Ouais, faut sauter avant de spinner. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Right? Deuxième essai. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Boing, boing. Yeah! The wall of fire! On l'a pas vu, mais j'ai pogné une clé. Mais comme apparu dedans, là, mais c'était une clé que ça a donné.
Il y en a que c'est un autre tableau mortel qui va me faire suer des clous. Eh! Yeah! Quelle belle récompense! Une troisième phase de Tana, le bonus est ailleurs. On va s'enfarger dedans à maner, j'espère bien. Ah, il est là. Et un vrai de vrai bonus cette fois. Je pense que ça va péter toute la gang. Je m'en assurerai. Bang, 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 bang. Let's go du billet. Est-ce que lui, Tana? Ah ben. Voilà. Il est parti. Avec son amant. Il y a un pin, je sais pas moi. Mais moi, j'ai un long nez. Cracher un long nez. Ça compte pour quelque chose, ça. Hein? Les filles trouvent que tous les gars qui ont un long nez sont beaux. C'est bien connu. Ouais, ça c'était. Weird! Mon dieu, je suis bien descendu vite, me semble. Voilà, on monte, on monte, on monte. Let's go. On va avoir un top là. Vous voyez, là, ça roule à la vitesse du son. C'était. Yup! 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 On est arrivé. Bon. Je pense que le tableau y achève. Et non, il n'y a rien derrière là. Ça sert à rien d'essayer de. Tuer et de réussir à se tuer en fait. Et ça, mon espèce de fucké. Voilà. Et voilà. Yes. Ah. Deux semaines plus tard. Il est long ce tableau là. Bleh. Car, mon dieu, 41%, j'ai bien gagné. Ah ouais, il y avait la clé, c'est vrai, j'ai gagné la clé. Ça, ça donne plein de pourcents, ce tableau-là. Mon dieu, je trouvais que ça montait sans arrêt. Mais ouais, ça, c'est la clé. On va aller voir tout de suite ce que ça donne. Donc, Aku nous juge sans arrêt encore. Et comme, je suis déçu. Bon, voilà. Kuala Kong, tu peux attendre. On continue de t'entraîner. Donc, ici, ben, vous voyez, il y avait un petit passage. Et là, ben, on peut y accéder. Ça donne un autre tableau. Pumba! Ah yes, let's go! Si vous vous souvenez, j'avais dit que quand on atterrissait sur les drums, on pouvait peser sur rond pour sur X pour sauter plus haut. C'est nécessaire! C'est pas comme si c'était un skill vraiment incroyable, là, mais tu sais, juste tenir le piton sur lequel on pèse, mais faut le faire tout le temps. Là, on tourne à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, yo yo yes! On a réussi, yobida, yo, wow, 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 wow. Aïe, aïe. Alright. On va manger. Le petit frère de Pumba, hein, parce que Pumba, on l'a mangé, même si c'est mangé après. Pas grave, ça. Je suis dans ma bulle. Ok? Bon. Yo! On commence. Ah, c'est vraiment. C'est comme un peu étrangement lent quand tu tasses de côté aussi le faire cher, là, ben le hog. L'appeler le hog. Aïe aïe. Parlant de hog, je viens de donner un top pick, c'était le fun. Ok, on y va. Des fois c'est vraiment serré. Yep, yep. Top. Seigneur. Loin l'autre checkpoint là. Je vais pas refaire ces caisses là. Oh, 18. Ok. Ah, hey, mon dieu. Hey. Short and sweet. Mon dieu. Je pensais qu'il était plus long que ça, ce niveau là. Mais c'est vraiment du dread gauche, dread gauche, dread rouge. Dread rouge. Vraiment serré. Ce tableau là. Donc, Whole Hog est fini et il n'y a plus de sanglier du tout du jeu. Ha 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 ha, yes. Donc, maintenant, boss de la fin de la deuxième île, dans le fond de la troisième boss, finalement, Kuala Kong. Vous allez voir, il y a un corps très équilibré. Donc, Kuala Kong qui skip ses jours de jambes, je pense. Bon. Donc, pas dur. Si, sérieux, j'ai appris en gardant un autre let's play qu'on pouvait spinner ces roches-là.
D'habitude, je passais mon temps à tout le temps juste sauter par-dessus comme je vais faire avec cette pierre. Il manquait mon coup. Donc, on reprend. J'aime son. Il est niaiseux, mais je l'aime, ce boss. Il est comme. Il est comme. Voilà. Donc, c'est ça que je faisais tout le temps, mais. Bon, cette roche-là, évidemment, on peut pas la spinner. C'est ce que j'allais le faire. Mais là, lui, ben non, t'es ma grosse garnouche. Donc, je te montre mes beaux abdos. Paf, teinte, oui. Donc, c'est ça. On attend qu'il nous garoche ses garnouches. Ceux qui ont joué à Sly Cooper me fait penser à Mugshot. J'ai oublié son nom. C'est l'espèce de... Il y a un boss chien similaire. C'est pas une insulte, c'est vraiment un chien. Là. Qui justement, il y a des petites jambes qui en fait, il marche sur ses bras. Je trouve ça drôle. Là, on va attendre la petite boum. Alright. C'est un peu serré, on va s'attendre que les wagons passent. Voilà, t'as découvert mon gros tout nu. Ouf. Un autre boss qu'il faut attendre en fait. Un peu ça les boss. Le Crash 1 qui est un peu plate comme tata. Yup, non. Phew, je pensais que je l'avais pas. Ah merde. Excusez. Pas dire un gros mot. On va être côté mature. Désolé, j'ai dit crotte. Tiens, toi, paf! Bon, il va venir peut-être ailleurs, ah, non. Il est rendu à je sais pas où, là. On l'a eu! Seigneur! Donc, voilà! On commence la troisième île! Industrielle prise en possession de Néocortex. Hein. On a fini à peu près tout ce qui était naturel, les ruines anciennes. Maintenant, on rentre dans l'industrie maléfique avec Heavy Machinery. On va commencer tout de suite. Et voilà, donc, machine lourde, machinerie lourde, littéralement, donc, avec les petites caméras. Ouf! Yay! Bonjour! Tableau qui a été démontré pas mal souvent lors de la période de promotion du jeu. C'était pas mal un des premiers tableaux qui a été montré de la trilogie au complet. Pour montrer, regardez ce qu'on essaye de faire. On était très impressionnés et on prend un bon tableau pareil. On prend quasiment n'importe quel, mais c'est un bon choix quand même. Oui, il y a deux petits subtils quasiment pas en bas. Là, on va se pitcher dans Gugus Vert. Pouf, voilà. Un Gugus Vert qui fait juste se désintégrer puis disparaître dans le néant. Face de lui, face de là, avec une face de Tana. Donc, un autre paquet de bonus. J'aime ça des tableaux! J'aime ça des tableaux, ouais, non, mais je voulais dire, j'aime ça des tableaux qu'on n'a pas besoin de jam. Qu'on peut mourir justement, c'est super fun. J'aime ça mourir. Ouais, c'est un commentaire. Attendre, faire preuve de prudence. Va-t'en, boing. Il a revolu du crush, c'était drôle. C'est drôle, drôle, drôle. Une petite idée d'où je suis rendu. Voilà, donc. C'est vrai que j'ai perdu mes chances de survie. Continuons, donc. En fait, ce tableau-là, il est pas si pire, c'est. C'est plus ça en fait l'affaire de Crash, c'est qu'il n'y a pas un peu comme Zelda 1, mettons, pour revenir à un exemple, j'ai déjà fait une chronique dessus. La courbe de difficulté est juste constante. Ben tu sais, c'est pas un jeu qui commence facile puis qui finit vraiment dur, c'est comme... Il est juste tout le temps dur. Mais tu sais, c'est encore... Tu sais, comme ce tableau-là, il est quand même pas si pire, on a vu pire que ça. Déjà, là, fait que c'est pas. Qui dit pour le fun? Non, c'est pas le fun. Bon, reprenons. Donc, voilà. Donc, morale de cette histoire. Morale de cette histoire, arrêtez de dire que les tableaux sont pas si durs que ça, c'est là que je meurs.
Donc, c'est pas pour de patience, un petit peu, c'est qu'elle m'a tiré, ça tombe. Voilà. Petite tortue, simili-tortue, qui sont pas des tortues. Ça, ça fume. Il n'y a aucun avertissement, c'est comme... Passe au fait les bleus, vous l'avez remarqué, mais c'est correct, hein, c'est pas... Bon, pas mal de gelées rouges qui sont chauds, il me semble que ça va de soi, mais tu sais, bon, on préfère le dire, des fois que... Phase de Tana, phase de Tani, phase de Tana. Donc, voilà. Ah, ça c'est super le fun. Ah boy, perdu le compte. Qu'est-ce qui arrive? Bon, je me vais assez plus bande, c'est le temps. Yeah! Voilà. Les pieds usés! Aïe, 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 aïe. Donc, continuons la partie, hein, dans le... Dans l'usine de je sais pas quoi. C'est quoi cette place-là? Cortex, c'est que tu fais? Arrête de me dire, c'est trop intense ton petit cerveau. Non, non, qu'est-ce que tu fais, là? Techniquement, c'est quoi cette usine-là? Qui se fait des fumées, des tuyaux random, puis qu'il y a des pommes qui traînent partout, là. Des Wumpa! En tout cas, c'est pas propre. Non, je désapprouve aussi ces déchets toxiques qui font juste descendre. Ah! Ok. Espèce de spring jaune qui te font voler, tu craches. Il est super le pas. Attends. Continue. Ouais, c'est l'autre tableau de genre qui a une espèce de méga shortcut, de méga passage secret qui te fait ça, sauter tout le tableau avec une jambe de couleur. C'est toujours ça drôle. Yep. Ok. Ça y avance. Voilà, c'est lent. Allons-y. Oh, je me dis qu'il y a une phase de brio. Voilà. Une phase de brioche. Ah, oh, c'est celle-là que je pense. Ah, celle-là. Il est dur, lui. Ah, ouais. Pas manquer une caisse. Ok. Aïe, aïe. Aïe. Oh, caisse. Grave. Let's go. C'est les autres en haut qui me font peur, je sais pas pourquoi. Ouais. Oh, d'avance! Ok, pius. Ah, pfiouf. Aïe, ça, j'aime pas ça. Ok. Ouais. Moi, on voit un petit tombe, ça caisse. T'indique un coup ce que t'es. On recommence. On reprend en haut. Alright, let's go. Ah. Ah! Ah, ok. Aïe. Let's go. Yeah. Alright. Ah, yes. Ah, yes! Oh my god. Oh my god. Non, c'est pas l'exemple de bonus que le fait de... Ah, oh, maintenant on peut skipper quelques boîtes, c'est pas... Ça change pas grand chose dans ce bonus là, disons. Aïe! Bordel. Tableau y achève, je pense, là. Ah, oh, yes. On va essayer de reprendre ma teinte pas bleue, là. Il y a une petite caisse, là, hein. C'est ça, ça me tente pas de refaire ce tableau-là, non. Ok, ce qu'ils sont, ils sont mieux d'être ensemble, hein. À m'attendre les morts, yes, on doit être là, yes, 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 yes. Donnez-moi des vies, donnez-moi plein de vies, yeah! Oh yes, sir.
Une petite gem comme je l'ai gem. Voilà. Perfecto. On a passé la moitié. Et ça inclut toutes les gems, hein. Fait que c'est pas représentatif. Puis il y a une autre clé aussi à pogner. Fait que, voilà. Continuons. Et voilà, donc, on va arrêter ça là pour tout de suite, tout le monde, après toutes ces émotions. Hey! Et c'est pas fini, hein, non, vraiment pas. Fait que, c'est ça, dans le prochain épisode, on va continuer de conquérir l'usine de Cortex, le Cortex Power! Fait que, d'ici là, tout le monde, restez cool, on peut checker une ou deux chroniques, et je vous dis à la prochaine fois! Ciao!